What's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Waouh, mais quelle introduction magnifique qui nous plonge vraiment dans l'ambiance. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Game Fun, c'est Aito. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons jouer à Anno 2205. Quel dernier opus de la série des Anno, qui est un jeu de gestion City Builder. Je vais découvrir ce jeu peut-être en même temps que vous. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que ça me plaira. Auquel cas, je continuerai sur une sorte de let's play, aventure suivie, bref, appelez ça comme vous voulez. Mais l'introduction donne vraiment envie et fait un peu baver, donc je pense que ça risque de me plaire. Je suis pas habitué à ces jeux de gestion, mais bon, on va s'y mettre et ça va être fun, je l'espère. Petite anecdote justement sur les titres et les dates qui composent les jeux Anno, de la série Anno, si vous additionnez chacun des chiffres qui composent ces fameuses dates, vous tomberez systématiquement sur le chiffre 9. C'est assez marrant, mais ça marche avec tous les titres. Essayez, vous verrez, c'est assez rigolo. Je ne sais pas ce que signifie le chiffre 9 pour le développeur, mais en tout cas, voilà, c'était une petite anecdote qu'il fallait que je vous narre, comme on dit. Allez, très bien, trêve de blabla, nous rentrons directement dans le vif du sujet. On va commencer une nouvelle partie, donc comme dit, c'est une totale découverte pour moi. On va partir un petit peu en freestyle, on va partir en total impro. Je suis ravie que vous ayez répondu à mon invitation. Waouh, Sam Beaumont. Samantha Beaumont. Je supervise le programme de licence lunaire pour le compte de Global Union. Ok. Nous avons beaucoup à nous dire, mais j'aimerais d'abord vous présenter Adam, notre avatar d'analyse mimétique. Salut Adam! Message entrant. Merci de participer au programme de licence lunaire. Le programme impose à votre corporation de construire des spatioports pour servir de base d'arrivée à une nouvelle vague de colonisation lunaire. Vous contribuerez en outre au développement d'un réacteur à fusion pour circonscrire la crise énergétique qui sévit sur Terre. Sympa. Global Union vous souhaite bonne chance. Ah, merci! Ok, le programme a l'air assez sympa. Officiellement, seules les méga-corporations sont autorisées à participer au programme. Mais j'ai pris sur moi d'imposer votre candidature. Bien joué. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous connecter avec votre nom de corporation. Ok, alors saisir le nom de votre corporation, bon, ça va être vite vu. Voilà, Gamefun Corp. On Merci. Confirme. Mais vous devez aussi me présenter votre logo corporatiste, afin d'identification. D'accord, ok, on a le choix, il y a pas mal de trucs. Un petit panda, un petit poussin qui sort de son œuf. Un petit chat. Celui-là est pas trop mal. Ouais, prendre un truc assez simple. Oh, Sam s'arrache parce que c'est... Oh, le petit ours. Oh, l'ours, il est sympa, il me plaît bien. Allez, on part sur un ours polaire.
Mes supérieurs à Global Union nourrissaient quelques réserves à votre sujet. Mais je les ai convaincus de vous allouer un territoire de première classe pour établir votre nouveau quartier général. Choisissez un secteur. Alors, différents secteurs pour démarrer ce jeu. Nous avons le bassin de Walbrook, les baies Viridiennes, les îles Madrigal, la baie de Wildwater, le Cap Ambar et l'archipel de Green Tide. Très bien. On va pas faire dans l'originalité, on va faire le bassin de Walbrook, c'est le premier qu'on nous demande de faire, donc on va respecter ce choix. Nous y sommes presque. Il ne reste plus qu'à négocier les termes de votre contrat avec Global Union. Ok. Vos conditions de financement, notamment. Mm-hmm. Alors, nous avons différents choix de difficultés, standard, avancé, expert ou vétéran. Alors, vu que je ne connais pas le jeu, je suis totalement néophyte en la matière, on va rester sur standard avec 100 000 crédits, rendement d'entrepôt augmenté, revenu par employé augmenté, remboursement intégral des constructions, ça fait plaisir. Repositionnement des bâtiments gratuits, très bien. Bah écoutez, on est parti. Je fais OK. Vous passez maintenant en phase 1 du programme de licence lunaire. Super. Global Union vous a affecté un territoire dans les zones terriennes à climat tempéré. Vous y aménagerez un spatioport ainsi qu'une base d'opération. Sans oublier un ascenseur spatial vers le quartier général de Global Union. Ah oui, carrément. Adressez-vous à votre référent officiel pour de plus amples instructions. De vastes plaines et d'imposantes montagnes. Et bientôt, vous ajouterez une impressionnante ligne d'horizon à la carte postale. Waouh, c'est beau. Mais surtout, ne relâchez pas votre attention. On m'a informé qu'une corporation du Big Five s'intéressait de très près au barrage en ruine. Vous pourrez peut-être en tirer parti à moyen terme. Mais votre premier objectif reste de construire un spatioport dans la région. Et mais c'est beau, hein. La construction du spatioport n'est toujours pas pourvue en personnel. Votre équipe de construction emménagera dès que vous aurez construit les logements appropriés. D'accord. Ok, donc on a une mini-map. Il y a beaucoup d'informations, là. Je suis un petit peu perdu pour le moment. Mais je pense que c'est plutôt bien conçu, donc bon. Je connais bien les jeux Blue Byte. Et je sais qu'ils sont assez malins. C'est beaucoup d'informations à retenir. Mais Adam a compilé pour vous une base de données avec toutes les informations dont vous aurez besoin. Ok, merci Adam. Alors, là ça clignote, donc on clique dessus. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est quoi? Des rues. Voies de circulation. Relie les bâtiments et transporte les marchandises. Tous les bâtiments doivent être desservis par un entrepôt. Ok, ça c'est quoi? Un entrepôt justement, très bien. Ensuite, nous avons quoi? Des résidences. Les employés vous fournissent crédit et main-d'œuvre en échange de biens de consommation de base. Ok, très bien. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va construire des bâtiments pour les ouvriers, des résidences. Donc on voit qu'il me faut attirer une population de 50 ouvriers. Construire des résidences, il en faut 25. Construire et relier des exploitations de riz, il m'en faut une. Relier ferme de tournesol, il m'en faut une. Et relier une usine de biopolymère, il m'en faut une également. Très bien. Bah écoutez, on va faire ça dans l'ordre. On va mettre des petites maisons. Non loin du... Peut-être un peu plus loin quand même. Je vais les mettre dans la forêt. Tac, tac, tac. Ah, je me suis trompé. Démolir. Ok. J'espère que ça vous sera utile. Ouais, ça me sera utile, t'inquiète pas. Ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut zoomer aussi, ouais, ça c'est bien. Pour faire les choses assez finement. Tac, tac, ok. Maintenant, il faut que je relie tout ce bordel. Normalement. Sauf que là, j'y vois rien du tout. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ceux-là ne sont pas desservis. Ça donne envie de coucouner. Hop. Est-ce que je peux relier tout ça? Voilà. Là, il n'y a plus de point d'exclamation à la con. Tout va bien. Normalement, les ouvriers devraient affluer. Regardez. Regardez, il y en a même qui font du skateboard. C'est magnifique, hein. C'est vraiment très joli. Très très joli. Pour l'instant, c'est pas très compliqué, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés majeures. Allez, on va construire encore des bâtiments peut-être. Tac. Non, oh, à chaque fois je me trompe, par contre, je peux les démolir. Cela, j'ai vite repéré. Tac.
Ok, nouveau bâtiment disponible, centre de transport. D'accord. Par contre, la gestion de la vue est assez chaotique. Alors, je peux me déplacer avec les touches de fléchés également. Tac, je vais mettre ça comme ça. Je vais continuer à créer des bâtiments pour les ouvriers. Ah, je peux plus. Zut. Ok. On est déjà dans la merde. Voilà, j'ai déjà relié ce que je peux. Ok, c'est plutôt joli hein, comme jeu, j'aime beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit de faire maintenant? On va faire une usine de quoi? Est-ce que je peux fabriquer ça? Je peux pas parce qu'il manque des biopolymères. D'accord, donc on va fabriquer une usine de biopolymères. Alors, je peux tourner les bâtiments. Ça, c'est plutôt cool. Je vais le mettre peut-être ici. Je vais l'aligner. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup... Alors, je sais pas s'il faut systématiquement entourer les bâtiments pour que ça fonctionne. Mais bon, voilà. On va voir comment on peut s'en sortir. Ça, je peux toujours pas le faire. Ça, par contre, je pourrais faire une usine de tournesol. On pourrait le mettre plutôt ici, non? Ça va faire de la route. Je vais le mettre ici. Voilà. Et du coup, hop, on va relier ça ici. Excellent. Les voilà. Pénuries de matériaux, c'est terminé. Très bien. Ça, c'est quoi, ça? Non, je veux pas ça. Attendez, voir. Oh, biopolymère 5, d'accord. Il y a des ressources qui sont cachées sur la map. Ça, c'est plutôt bien. Est-ce que je peux... Ah, il y en a d'autres, là. Tac, biopolymère 2. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Est-ce que le jeu serait assez généreux pour m'en donner encore? Non. Bon, c'est déjà pas mal. Je peux de nouveau construire des choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on va pouvoir faire notre fameuse... usine de... Enfin, ferme de riz. Est-ce que je la mettrai pas dans le prolongement, là? Allez, je la mets là. Et on va relier ça avec une route. Les méga-corporations voilà, sont nombreuses à penser c'est que la mal. Nourriture bio n'est qu'un luxe inutile. Je suis ravi que vous partagiez le point de vue de Global Union. Ok, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un parc éolien et j'ai un centre de transport logistique. Oh, on voit les petits camions qui... Regardez les petits camions qui viennent. Oh là là, c'est vraiment très bien fait, hein. C'est vraiment joli, hein. Les animations, tout ça. Pff, je suis assez scotché, je m'attendais pas à un jeu aussi beau. Alors, on va peut-être continuer de construire des petites maisonnettes pour nos ouvriers. Voilà. Avec les petites routes qui vont bien. C'est parfait. Ça va très vite au niveau des constructions. Ça, j'apprécie vraiment grandement. C'est assez sympa. Le jeu se révèle être assez intuitif. Comme dit, je n'ai jamais joué à un city builder de ma vie. À part des vieux SimCity, mais il y a très longtemps. Mais un jeu actuel, je suis assez conquis pour le moment par la maniabilité, le gameplay surtout. Parce que la maniabilité est assez sympa, mais... La prise en main, voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. La prise en main est vraiment pas mal. Donc là, j'ai rempli tous ces objectifs, à part ça... Parce qu'il va me manquer évidemment une maison. Bien évidemment. Votre équipe de construction voilà. Est l'une des premières en activité. Continuez comme ça. Vos concurrents super. Vont tout faire pour réduire l'écart. Pour la prochaine phase de construction, vous devrez pourvoir le spatioport en personnel qualifié. Tâchez de respecter les normes imposées par Global Union. Ok. Alors là, il faut que je produise de l'eau. Et que j'attire 200 ouvriers. D'accord, j'en ai 50 et il va falloir 200. Ok, très bien. Donc là, on me dit, construis un truc de flotte. Les besoins en biens de consommation spécifique sont insatisfaits. Oh, wow. Attends. C'est quoi cette histoire, là? Ils sont insatisfaits, pourquoi? Alors, je dois produire de l'eau, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas le... Ah si, là! Ok, ça se met là. Oh, je suis super, ça. Voilà. Oh, c'est magnifique. Est-ce que je dois aussi le... Je pense que je dois le relier, hein.
C'est ça. Hein. Cette usine de désalinisation est indispensable. Très bien. Un jour, c'est le seul moyen que nous avons de produire de l'eau potable. Ok, super. Super, super, super. Donc du coup, on va construire des nouveaux bâtiments pour ces petits ouvriers, là. Tac. Voilà. On va mettre une route ici derrière. Tac. Je vais pas doubler comme j'ai fait là. Voilà, on va faire des choses un petit peu originales peut-être. On va construire une petite route par là. La valeur corporatiste a augmenté. Ah, bien. Je vais faire une route par là peut-être, voilà. Et là, je vais claquer quelques petites maisons. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien en fait. On se prend au jeu rapidement. Hein. Ça, c'est vraiment plaisir de jeu immédiat. Ça, je tiens à le souligner. C'est vraiment top. Le jeu est d'une beauté, mais vraiment génial quoi. Je suis assez bluffé par la qualité. Regardez ça un peu, les détails, ça fourmille de vie. Regardez, les personnages sont tous en 3D animés. Regardez ça. Le petit skater, les gens qui marchent, les enfants qui courent. C'est super. C'est vraiment super. Ok. On va arrêter de s'extasier 2 minutes. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Des éoliennes, un parc machin. Je vais construire peut-être un centre de logistique. Ça pourrait être une bonne idée. Si je le claquais là, tout simplement. Ouais. Ça me paraît être pas mal. Construire relié un infodrome. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Alors, infodrome, c'est quoi? Décoration. Ah, je peux mettre des décorations. Parc moyen. Comment ça marche? Je peux mettre des petits parcs. Ah, et c'est cool, ça. Alerte. Pénurie d'énergie. Oh, wow, wow. Pénurie d'énergie. Alors, attendez. Donc, du coup, il faut que je mette des éoliennes, c'est ça? Waouh, c'est vaste, ce truc. Ok, ok. Est-ce que je peux la mettre juste à côté? Voilà. Tac. Ça, je le relis. Bon, apparemment, il n'y a pas besoin de faire le tour. Il y a juste besoin d'une jonction avec la route. Et ça marche. Ok. Donc là, je vois que mon énergie est à 35. J'ai 86 personnels. J'ai 67 en transport. Tout va bien, j'ai envie de dire. Donc j'en étais à décorer, moi. On va voir comment ça rend. Ah ouais, c'est chouette, regardez. Des petits parcs pour que les gens s'amusent, c'est cool. C'est cool ça. Donc il faut que j'attire toujours plus de population, donc on va le faire en faisant des aménagements paysagers assez sympas. Tac. On va mettre des bâtiments. Oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est immense! Oh là là! C'est génial ce truc! Pourquoi j'ai pas de petite maison comme j'avais avant? Pourquoi j'ai que des grosses maisons? Je peux les faire pivoter, ok. Ah non, non, c'est des maisons normales! Ouais, ok, non, c'est moi qui ai fumé. Voilà! Parfait! Parfait, parfait. Ok, tout est relié, c'est super. Décoration. On va mettre des arbres. On va laisser un petit peu. Petite rangée d'arbres, voilà, c'est sympa. Tac. On va voir comment ça se passe. C'est magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi? Escalator. Ok. Grand parking. Parking moyen. On pourrait mettre un parking ici et un parking là. C'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est sympa, hein. Regardez ça, tout de suite, ça habille. Ça habille le tout, là. Tac. On va remettre un ici. Petit parc. Non, c'est vraiment trop petit, ça. Ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est un gros, gros parc. Waouh! Ah, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup cette phase de construction, là, c'est vraiment...
C'est vraiment sympa et ça nous permet vraiment de faire des villes très agréables. Je vais encore mettre une maison ici. Voilà. Et peut-être encore une ici. Voilà. Ah, celle-là n'est pas desservie par contre. Là, j'ai déconné. Donc il va falloir que je la relie. En faisant ça, peut-être. Je vais entourer les maisons de route. Hein. Comme ça, ça me permet d'évoluer ma ville. Donc là, on est à 180 sur 200. On est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Au niveau de l'énergie aussi, on est pas mal. Ça se passe bien. Regardez-moi un peu cette entreprise de fou qu'on est en train de faire. Par contre, je sais pas ce que c'est ça, l'infodrome. Je ne l'ai pas en... Je ne l'ai pas en bâtiment. Ah, l'infodrome, ça va se débloquer certainement quand j'aurai mes 200 personnes. Ok. Ok, ok. Eh ben, vous savez quoi? On va continuer de construire des bâtiments. Il faut vraiment qu'on arrive. Voilà, je vais arrêter là, voilà, comme ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, nouveau bâtiment disponible, vous avez obtenu les plans suivants. L'infodrome. De nouvelles structures. Superbe. Eh ben on va s'empresser d'en construire un, regardez ça un peu, ce monstre. Alors je le mets là directement, je peux pas. Je peux le tourner. Ah ouais. Ah, c'est sympa, hein, c'est sympa. Allez, on va le mettre là. De service d'information à la portée de tous. Vos employés pourront en profiter. Oh, par contre l'énergie, oh là là. Et leurs compétences. Oh l'énergie. Non, c'est bon. L'énergie, il nous reste 10. Je vais peut-être mettre une deuxième éolienne. Alors du coup, faut pas que ça se croise, hein. OK. Ah oui, ça c'est embêtant. Allez, on va la mettre là. On va la relier directement par ici. Je disais aussi qu'il y avait du remue-ménage dans le coin. Voilà, plus 60. On est bien. Papadakis Enterprises. On est bien, on est bien. Si vous cherchez l'affaire du siècle, c'est ici. Papadakis. Ok. Eh ben, vous savez quoi? Moi, je trouve ça vraiment classe. Donc, nous avons... En attente de promotion, c'est quoi ça? Promouvoir. N'attendez pas à votre visite. Entrez, entrez. Allez. Votre évolution est admirable. Oh là là. Vous avez formé une équipe de construction et du personnel au sol plus vite que je ne m'y attendais. C'est génial ce truc. Vous êtes plus que capable de surmonter le premier obstacle. Ça, les gros immeubles, bon, eux ils ont un peu... Le programme impose que votre ville soit reliée à la station spatiale de Global Union par un ascenseur orbital. Ok. Pour l'instant, il n'y a que les méga corporations du Big Five pour exploiter ce genre de technologie. Mais je suis persuadée que c'est dans vos cordes. Tout à fait. C'est dans mes cordes. En plus, j'aime bien ça. Donc, ça tombe bien. Alors, construisez des parcs éoliens pour générer de l'énergie. Placez la bonne distance. Ok, ça, c'est fait. Produire robots de construction. Boissons survitaminées. Vitaminées. Pourquoi survitaminées? Je ne sais pas. Mais vitaminées, ça suffira. Sélectionnez le spatioport. Commencez l'amélioration. D'accord. Ok, tout va très, très vite. Construire des robots. Comment ça marche? Centrale marée motrice. Ok. Salle des marchés et institut de biologie. Donc là, on a des opérateurs. D'accord. Ah ben voilà, usine robotique. Ça, c'est quoi? Mine de cobalt. Carrière de feldspath. Alors là, il me faut quoi? Nanocéramique et du cobalt. D'accord. Donc il va falloir faire dans l'ordre, hein, je pense. Donc on va mettre ça ici. Boum. Voilà. On va relier tout ça avec une petite... Une petite route. Tac! Et voilà, c'est super! Plus 6 de cobalt. On va faire la même avec ça. Tac! On va partir d'ici. Et on va rejoindre la route. Voilà. Plus 5 de je sais pas quoi. De cobalt, voilà. Et plus 5 de feldspath. Ok, ça se passe plutôt bien. Par contre, j'ai énergie 0. Là, du coup, ça craint un peu. Et c'est quoi? Promotion. Cliquez sur une résidence éligible. C'est allez, vous. Chez moi. Voilà, très bien. Ok, opérateur, il m'en faut 1000. D'accord. Ça monte, ça monte. C'est plutôt bien.
C'est plutôt bien. Pour le moment, ça se passe bien. Je vais peut-être placer une deuxième, une troisième éolienne. Du coup, est-ce qu'on la mettrait pas dans ce coin-là? Bah, bien sûr que oui. Tac. Comme ça, je peux la relier directement. Voilà. Plus 50. Ah, on se sent mieux. C'est plutôt cool. Donc, du coup, maintenant, il va falloir que je construise une usine de robots. Et l'usine de robots, bon, on va la faire dans le coin, là. Je pense que... On va la mettre à proximité. On va la mettre là. Ça m'a l'air plutôt sympa. Vous avez remis les composants nécessaires à la construction de l'ascenseur orbital. Il n'y a que le câble qui exige des matériaux hors de vos moyens de production. Ok. Mais j'ai passé un accord pour le faire livrer. Super, merci. Tu es trop sympa, Sam. Alors là, par contre, qu'est-ce qui se passe? Production légèrement réduite. D'autres résistances manquaient de ma... Ah oui, ok, d'accord. Il faut que je construise encore des bâtiments. Des gros bâtiments. Ah, on a accès à des grosses, grosses... Des paquets de résidences, en fait. Recrutement de main-d'œuvre recommandé. Ouais, c'est bon, ça vient, ça vient. On ne panique pas. Tout va bien. Ok, c'est cool. Là, on va pouvoir relier tout ça. Bam, on va faire... Je vais essayer de faire les choses le plus proprement possible, hein, parce que... C'est pas forcément évident. Voilà. Là, je peux mettre des décorations, si je veux. Voilà, on va leur mettre des petits arbres. Ça, c'est quoi? Petite réserve, bâtiment décoratif. Donc, on va mettre des arbres pour leur cacher la vue de l'entrepôt, parce que ces gens-là ne vont pas voir... Ça va les perturber. Alors. Ok, là on est plutôt pas mal. Hein. J'ai déjà produit 8 robots. Ok, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Très bien. Et ben, je pense qu'on aura vu vraiment déjà un petit peu de gameplay, un petit peu des premières phases de développement dans ce jeu. Et je vous avoue que je suis assez hypé par ce titre et qui... Je regrette juste de ne pas l'avoir découvert un peu plus tôt. En tout cas, je pense que je vais y passer quelques heures et qu'il va y avoir quelques vidéos sur ce titre. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo et je vais en faire d'autres, croyez-moi. Ça va être super. Je pense qu'on va bien s'amuser. En tout cas, pour moi, c'est sûr. Pour vous, je ne sais pas, mais... Alors, cliquez sur une résidence éligible. Tac, on va faire ça avant de partir, avant de se laisser. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jouez bien, portez-vous bien et à plus tout le monde. Allez, ciao !